Salut tout le monde, salut YouTube, bienvenue sur Total Realm Remastered. Je vous retrouve pour le cinquième épisode de la campagne avec la Dacia en victoire courte. La dernière fois on avait réussi à terminer les Germains. On continue de se défendre contre les Gaulois qui aiment bien venir nous envahir du côté de Trier. On va essayer de renforcer la cité dès que possible hein, au niveau des bâtiments. On a tout ce qu'il nous faut quasiment, c'est ça qui est positif. Donc voilà, après là... La campagne, il faut juste se concentrer sur les Macédoniens. Faire en sorte que la faction n'existe plus. Et c'est gagné pour nous. Après, je pourrais peut-être ramener des renforts de Byzance aussi. Les cavaliers de là, je vais rajouter un faucheur. Comme ça, on aura déjà une deuxième armée en formation. Sachant que notre armée principale qui a pris Thessalonique, elle se reconstitue. Et on a des généraux par-ci, par-là. Donc ça devrait le faire, je pense. Bon, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est se défendre à Trier contre les Gaulois. Ils ont beaucoup d'épéistes. Ils ont cette unité de fantassins dénudés, là. Ils ont deux généraux. Là, le but c'est d'essayer de repousser les Gaulois ou au moins leur faire le maximum de pertes tout en ménageant nos troupes quoi. On a beaucoup de cavales, on a beaucoup de force, on a des faucheurs. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympathiques. Alors déjà. On va se mettre tout de suite là, les archers. Hop, on va se mettre en position là. On va essayer de faire le plus de pertes possible, bien sûr. En vrai, on pourrait les choper leur général, mais je suis même pas sûr que ça qu'on fasse le point. C'est quoi ça? Beaucoup de soldats. Bah déjà là les fanatiques dénudés vont prendre Tarif. Ils ont déjà perdu une vingtaine d'hommes pour démarrer, c'est plutôt pas mal. Beaucoup d'épéistes là ils sont en train de tomber, c'est pas mal, on a déjà détruit quasiment 10% de l'armée, de la force gauloise. Ah là les Gaulois ils sont partis sur beaucoup d'épéistes, hein. Je suis pas vraiment étonné. Ils se prennent une belle volée. Allez, go. Ils veulent nous rentrer dedans, bah qu'ils viennent, hein. En vrai, je suis sûr, je fais une charge de dos, là, le régiment, il se fait wiper. Voilà, ça règle une partie du problème. Maintenant, on va enchaîner sur eux. Allez, on continue. Salut, Trandir. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Bienvenue, bienvenue, monsieur. Bienvenue sur la campagne avec les DAS. Parfait, on est en train de se défendre contre des Gaulois du côté de Trier, on a bien poussé.
Là, on va essayer de vite d'abattre leurs généraux. Allez, abattez-le, s'il vous plaît. Parfait, on l'a eu. Là, on essaie vraiment de poser des problèmes. Parce que là, je me dis qu'il y a un coup à jouer. Si on fait pas n'importe quoi, on peut complètement wipe leur armée. Parfait. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, j'avais fait un petit peu une petite pause. J'avais besoin de m'y remettre, quoi. Tu vois. Bon. Bah, c'est plié. Bon, même si là, je vais commencer à faire reprendre les trucs. Là, j'ai fait une campagne sur... avec l'Arménie qui s'est bien passé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? L'Arménie, là, je termine la Dacie. J'ai fait... j'ai fait des petits streams par-ci par-là sur Divisé Timpera. Oh mais bon. Et un peu de Blood Bowl 3 aussi. Là ça va être facile à refaire cette armée. Hein. Mais je pense que je vais renforcer avec des épéistes si je peux. Les faucheurs c'est bien mais... Voilà. Ah, il y en a qui a survécu là. Alors, il est plutôt pas mal. Après, bon, il était très décrit à sa sortie parce qu'il y a beaucoup de bugs, ce qui est vrai, mais... Je pense que la communauté football en fait un petit peu trop, parfois. Après, c'est mon avis. Là, je vais finir la campagne aussi, et après, je partirai sur le remake de Resident Evil 4. Je reprends dans ces Resident Evil 4 en professionnel. Ça, ça sera très bien. Je vais juste faire ma bière dans mon shop. Désolé pour le bruit. Ah bah oui. Ils ont fait un truc sympa là, suite au bug qu'il y a eu pour le lancement. Cyanide et Nacon, ils ont offert le premier Blood Pass gratos quoi. Donc ce qui est quand même un beau geste. Rien ne les aura obligés de le faire, mais bon. Je vais faire un épice d'élite ici. Je vais partir sur un rat du chef de guerre à Trier. Et là, notre empire d'As se remet plutôt bien. Donc là, je vais laisser juste ma petite garnison. Là, ma deuxième armée, elle va revenir. Je vais essayer de la rapatrier. Je vais peut-être envoyer des renforts aussi, tu vois. Ah, le problème, c'est qu'ici, tu me diras... les gens ne sont pas très sympathiques. Alors, on va essayer d'améliorer un peu tout ça. Et donc, là, il ne me reste plus que ça, quoi, donc... Récupérer les 4 villes et c'est gagné. L'armée macédonienne elle arrive. Donc on a un nouveau général à Porosilum. On a un général à Inkinkoum. Je vais faire des murs, je vais renforcer mes frontières. On se fait pas mal d'argent hein, avec notre territoire assez vaste. Vous. Hop, parfait. Continue de avancer notre armée du nord. Donc là, je vais... Oh! Il me reste encore de la place. Je regarde un petit peu ce que je peux faire. J'ai quelques faucheurs, je vais en rajouter. Hein. Juste deux faucheurs d'As. La deuxième armée va être intéressante là. Mes espions vont aller du côté de Larissa. Oh la grande armée. Bon c'est pas c'est beaucoup de trash hein, les armées macédoniennes. Je sais pas pourquoi mais soit. 1,62%. Succès. Ah, il va y avoir un peu de bordel ici, ça fait plaisir. Par contre, là, je suis en train de me demander si je vais pas tenter une opération assez audacieuse.
Alors déjà, un, on va mettre une tour. Là, j'ai plus personne, on va éviter de faire ça. J'ai envoyé mes deux mercenaires sur garder Thessalonique, le temps 2. Parfait. Derrière, je vais reformer ces gars. Je vais faire des archidélites pour me défendre. Je vais me mettre en position là si jamais cette armée tente de passer. Derrière, je vais peut-être faire un petit espion avant. Donc là, j'ai gardé le temple exprès de d'Artemis à Thessalonique, tout simplement pour mes tireurs à fond, quoi. Puis comme j'ai pas mal d'archers dans mes armées, ça fait plutôt la différence, hein. Donc mon armée, elle revient. Là, c'est bien. Alors, ah, on me tente un assassinat, vas-y. Ah, l'armée arrive, c'est bien. Alors, c'est leur chef de faction en plus qui m'engage. Alors, moi j'ai 3, j'ai 4 généraux. Pour le moment, non, Mitrandir. Pas de nouvelles de ce côté-là. Donc on a beaucoup, ils ont 3 archers, bon ils ont beaucoup de caves légères, ils ont quelques piquets, mais c'est vraiment c'est gérable quoi. En plus j'ai un archer monté donc ça va être un rigolo. En vrai j'ai la manœuvrabilité pour moi, j'ai une bonne armée d'élite. Alors déjà, tous mes tireurs là. On voit la différence entre les archers d'élite, hein, niveau de l'équipement, et les archers classiques. Ouais, j'avais déjà testé Cossacks, pas en stream, mais je connais. J'ai fait les premiers, j'ai testé un peu le 3. Et ça, c'est de la cavalerie. Ça, j'adore cette cavalerie là. Cavalerie noble, ça fait de boulot. Et puis on a nos faucheurs, bien sûr. Nos archers sites ici. Et on a deux paires d'onagres pour tabasser. Alors pourquoi je prends des onagres avec les das? C'est parce que comme il y a des piquets, ça peut être une formation assez compacte. Et quand ça touche, bah, ça peut faire très mal. Alors, on va voir comment ils réagissent. On va essayer de les provoquer un peu, nos adversaires. Allez, lancier léger, on va essayer de les choper. Choper toute leur cavalerie ici, prendre l'avantage. Là on est en train de faire un beau snowball, là on va pas se poser de questions, on va essayer d'aller chercher leur tireur avec. On attendait de nous contourner, ce qui est logique. On va essayer de complètement détruire leur cavalerie pour prendre l'avantage. Ah, leurs peltates là sont complètement isolés, on va en profiter. Voilà, ils ont perdu leur cavalerie. C'est plutôt pas mal, on va reculer ici. Voilà, les peltates là, on les balaye. Attention à ces lanciers légers là. Oh, leurs peltates là et leur général de dos, ça peut être très intéressant à récupérer, à choper. Allez, hop, on est tout en plus dans la pente. Nos tireurs sont en train de faire de boulot là. Hein.
Là, on les a complètement désorganisés. Hein. C'est ça, c'est... Oh là là, toutes leurs unités se font démolir. C'est beau. Voilà, la phalange là, elle va succomber sous la pression des tirs. Hein. Oh, joli sandwich sur leur général, sur leur chef. Ouh. Allez, hop. Le roi ennemi est allé rejoindre ses ancêtres. Ces larbins vont apprendre à nous craindre. Voilà, nos archers montés, c'est terminé. Ils vont être dispersés pour la prochaine fois. On essaie de récupérer un Mercos. Voilà, toutes leurs unités là. Ça dégage. On fait attention ici. Hein. La Macédoine s'est fait wiper, on va dire. Hein. Et le pire, c'est que mes onagues n'ont même pas tiré. Alors, les piquets construits. C'est la fête. Les ennemis fuient le champ de bataille comme un troupeau de chèvres. Tuez-les jusqu'au dernier. Allez, on les massacre. On va dire à nos mecs d'arrêter le feu. Nous n'avons plus besoin de nous battre. L'ennemi est en déroute. Voilà. On va essayer de recruter des Mercos pour remplacer les mercenaires Sith qui sont quasiment proches de la mort. Ah, il y a la peste. Ok. Bon, notre armée continue d'avancer ici, ça c'est bien. Bah écoute, hein, on va les laisser mourir. Et bah tu sais quoi? Je sais ce qu'on va engager. Les mercenaires ici. Oh là là, là cette armée, ça va être tout. Ça va être gratos, cette armée-là, elle va être facile à battre. Donc il y aura une armée qui va aller s'occuper de Apollonie. Quand l'autre elle continue de revenir à grands pas. Et la deuxième, elle va descendre sur Athènes et Corinthe, quoi. Mais bon, je suis en train de former des renforts quand même parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Alors je vais voir ce qu'on peut bâtir dans l'Empire. Alors là, on va améliorer tout de suite le batteur d'armure pour être tranquille à Trier. Là, il n'y a plus rien à faire. Là, on va tout bâtir. Ah mon, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Le cercle bardique. Cercle de Zamol 6 également. À Yuvanum. Et du taf. Et ce sera déjà pas mal. Oh, il y a un riot en plus de la peste. Bon, allez, on y retourne. On affronte la deuxième armée macédonienne près de Larissa. Allez, on pose le siège. Voilà. On va faire un cercle bardique aussi en Thessalonique. L'armée là, il faut continuer de l'améliorer. Général.
Allez, on tente de la prendre ou pas? En plus, on a la peste dans la cité, donc on va la prendre sans trop de difficultés, je pense. Et juste une sauvegarde automatique exprès. Et pour le principe. Voilà. Alors ici, on a quoi niveau temple? Très grand temple d'Artémis. On va le garder. Ah, les Gaulois, ils se rament encore en masse. Hein. Nous sommes encerclés. Ils ont toujours pas compris la leçon, mais bon, pourquoi pas. Oh, les Romains, attention, hein. Ils ont pris Termon. Une cavalerie sarmate, je vais la prendre, elle va servir. Alors là, on a un espion ici. Oh, attention, la cavalerie grecque a une petite différence, j'ai l'impression. Les lanciers n'ont pas d'armure, mais les cavaliers grecs en ont légèrement. D'accord. Faut juste attendre que la peste passe. Et là, on va essayer de sortir pour repousser la première armée. Il y a une deuxième armée qui arrive dans la foulée. Et il y a beaucoup d'épéistes d'élite en plus. Je crois que je vais faire aussi de la cavalerie d'élite ici pour tenir ma frontière. Ils sont pas nombreux, mais on va la faire quand même. Hein. En fait, je l'ai fait ici tout simplement pour pas avoir trop de pertes. C'est tout simple. Au passage, santé avec modération. Bien, bon, on connaît le plan, on va sortir par le côté là. Ah, ça me saoule à chaque fois, mes troupes elles sont désorganisées. Détachement. Détachement. Archer. Cavalerie barbare. Cavalerie. Unité. Unité. Une fois qu'on aura la cavalerie noble, là ça va être rigolo. Archer. Unité. Unité au fauteuil. Unité. Unité au cavale. Unité. Alors déjà je mets en pause. Je vais tout de suite faire sortir ma cavalerie là. Mes archers là. Mes deux détachements pour faire l'écran contre pour les archers. Les faucheurs ici. Et l'épéiste d'élite va couvrir le peltaste là. Voilà le programme. Après on peut peut-être tenter d'aller choper le général avec ma cavalerie. Hein. Elle est ultra légère mais elle est très très forte. Hein. Je vais tenter, vas-y, d'entrée de jeu. Ça pourra mettre vite un coup au moral des troupes adverses. Il s'est complètement isolé en plus, donc ça, ça m'arrange. Allez, go. On va essayer d'empêcher qu'ils s'organisent, c'est surtout ça le plan. Parfait. On l'a attrapé à la gorge. Attention au... Ah bah le détachement il se barre. Ah même les épices d'élite ont ça, bah écoute. Allez, on va aller chercher tout ça. Les ennemis fuient le champ de bataille comme un troupeau de chèvres. Tuez-les jusqu'au dernier.
Eh ben, oh, ils t'ont fait pas ça sur le programme. Parfait. La première armée, c'était tout ça. Ça a été tout seul. Je pense que je vais quand même rajouter en priorité une cavalerie d'élite. Hein, avant les d'autres unités. Comme ça, on aura une cavalerie un peu plus lourde. Voilà, ça sera pas mal comme ça. Ok. Ouais, on est pas mal. Bon, jusque là, on se prend une peste, mais bon. Allez s'y attendre. La deuxième armée qui attaque, c'était prévisible. Vas-y, encore quelques armées macédoniennes ici. Hein. Ah, Larissa, ça s'est calmé, on dirait, la peste. Mais je peux pas trop bouger de ma position parce que il y a encore deux stacks énormes du côté de d'Athènes. J'ai quand même envoyé. Alors, ils sont où mes espions? Alors j'en ai plus. Ceci dit, j'ai un négociant. Bien compris. Leur chef de faction est à Athènes, ok. La forge, ok. L'armée arrive hein, petit à petit, d'ici quelques tours, on est à destination. Oh zut, j'ai oublié la... Au revoir. J'ai oublié la... Comment ça s'appelle? Désolé, hein, je sais, c'est un rechargement, mais j'ai oublié la bataille contre les Gaulois. Donc là, on va essayer de se défendre contre eux. Je pense qu'on peut les chasser. Hein. Par contre, là, je suis étonné que les Bretons me proposent une alliance. Hein. Oui. Voilà, on a un négociant ici, ok. Ils disent qu'on a aucune chance, mais ça, c'est à cause de tous leurs foutus épistes d'élite, ça. Ils ont pas de cavalerie. Ils ont un détachement de forestiers, ils en ont deux. En vrai, si on arrive à vite choper leur général, vite dégager leur tireur, et qu'on arrive à le tenir avec nos troupes de mêlée, l'armée sera battue facile, quoi. En vrai, les faucheurs, je pense que je vais les envoyer sur des épices d'élite. Ça découpe pas mal, hein, on l'a vu. Bon, nos troupes, là, actuellement, le seul défaut, c'est qu'ils n'ont pas trop d'armure. Donc on refait la même. Hein. On va choper le général. C'est là qu'il s'estime heureux parce qu'on n'a pas d'amélioration sur nos armes de tir. Si on avait ça, en plus, ça ferait très mal. Hein. Donc là, je vous annonce, les gars, après cette campagne, il me restera encore deux campagnes à faire sur la vanille hein, en cours. Il me restera les Gaulois, qui sera la prochaine campagne, mais je ne la ferai pas tout de suite, et les Macédoniens.
Ce sont mes deux dernières campagnes avant de partir sur Barbarian Invasion cette année. Ah, ça, c'est chiant. Alors là, il y a quoi? Il y a de la cavalerie barbare, cavalerie barbare. On va essayer de les pousser, de les provoquer un peu nos adversaires. Leurs cavaliers sont plus rapides, ce qui est logique. Hein. On va tenter de choper leur général. Si on peut vite l'abattre, leur général, ce serait cool. Parfait. Attention à notre capitaine, quand même, on sait jamais. On a eu leur cavalerie aussi. Ceci étant, on peut tenter une charge sur le flanc. Parfait, première unité qui dégage. On va reculer sagement. Vous chargez, vous, je vous ai jamais dit de charger. Bon, ils font le ménage au moins. Ouais, Barbarian Vision, faut dire, c'est quasiment. C'est Attila quoi. Les forestiers, on va les choper. Non, c'est pas mal, ils perdent beaucoup d'hommes. Là, c'est sûr que c'est en général, hein, ça se complique la situation. Allez, go. Oh là là, les épices d'hélice sont en train de se faire découper. Oh, c'est beau ça. On est en train de complètement désorganiser leur armée, c'est bon ça. Allez, on leur rentre dedans. On va la jouer à la barbare, assaut massif frontal. Oh, cette fuite générale, c'est bon. Je crois que la mort rapide du général adverse a fait pencher la balance en notre faveur. Il reste que des détachements pour la plupart. Hein, mais... Nos épices d'Aïl sont même pas encore au contact. Hein. Les ennemis fuient le champ de bataille comme un troupeau de chèvres. Tuez-les jusqu'au dernier. On a perdu... Ouais, 5% de troupes, ça va. On t'a fait un carnage, mon gars. Ils ont pas compris, je crois. Ouais, ils repartent à 25. Hein. En vrai, dès qu'on aura le deuxième régiment d'épices ou d'élite, là, notre défense intérieure, elle est largement faite. Voilà. Ok, ça c'est fait. Cette arme macédonienne, on va la surveiller parce que je sais pas ce qu'elle veut exactement. On va améliorer. Il y a aussi l'hygiène avec le cercle bardique, c'est un petit bonus, on le prend. Général. Allez. Oui. Aux ordres.
Je vais laisser ces deux là ici. Je vais peut-être ajouter un troisième général, allez. Et même un quatrième. Ça, on aura une armée assez performante ici. Sinon, je vais aussi peut-être faire un Onagu ou deux pour cette nouvelle armée. Alors, que fait l'autre armée macédonienne? Parfait. Je veux la maison Bruti. Cher ami. Ok. Je demande juste. Tu m'aides à attaquer la Macédoine alors. Une proposition des plus généreuses. Il a accepté. J'espère qu'il va pas. Il va pas revenir sur sa parole, l'autre. Il y a beaucoup de gladiatrices, ok. Donc j'embarque tout le monde sauf lui. Ah putain, mon armée a la peste, sinon c'est pas drôle. Ah, on a la peste maintenant là-bas, ok. Bon, ça fera du tri dans la populace. Hein. Pas grave. Je me mets en position là. Je vais tenter. Alors, je peux même pas bâtir autour, d'accord. Des unités qui peuvent arriver en renfort s'il faut. Hop, on va attendre là sagement. Je vais faire deux autres archers d'élite en renfort aussi. Encore un généraux. Bah, les généraux, ça bien. Ce qui est bien, c'est qu'on en a des tonnes. Alors là, notre armée de Onagres. Alors, il me reste combien d'unités là? J'ai un peu trop de cavalerie, j'avoue. Elle, je vais la disperser. Ça fait que j'ai encore deux places. Deux Onagres. Oui. J'ai pas mal d'archers d'élite. Hein. Comme ça, ces quatre là. Alors mon armée elle a pris tarif, ouais, évidemment. Bon, on va faire avec. On a deux grosses armées, on va essayer de faire tomber Athènes. Alors. Oh, il y a même la garnison dans Athènes, hein, derrière. C'est jouable en vrai si on fait pas n'importe quoi. La première armée elle est gérable. C'est couillu mais ça se prend en vrai. Si on les bat, on se met très bien. Là on peut pousser vers Corinthe. Si on prend pas trop de pertes, bien sûr. Et là, après il ne restera plus qu'à récupérer. Colonie avec les et avec notre deux armées qui vont se rejoindre, là ils pourront rien faire. Attendez mes ordres. Cavalerie. Cavalerie noble. Cavalerie. Archer. Bon, j'ai beaucoup d'archers, j'avoue. Détachement d'archers. Archer. Détachement d'archers. Faucheur. Unité. Unité. Archer. Unité. Unité. Détachement d'archers. Unité au pas de coup. Chef. Unité.
Unité en vitesse. Honnable. Unité. Unité au pas. Unité fort. Aha. L'ennemi a besoin d'autres misérables pour renforcer ses lignes. Ok. On va y aller, hein. En vrai, si on bat vite leur cavalier. Oh, joli shoot là, j'ai bien aimé. Alors ça va tirer où? Raté. Oh, lui dirige vers... Ah va. On va essayer de chercher leur cavalier. Première cavalerie qui bat en retraite. Oh la vache, là ils sont en train de prendre tarif. On va vite faire taire cet onagre pour prendre le dessus. Là les archers vont se replier. Putain, on leur met la sauce là. Bon là l'onagre on va le taire tout de suite. Ouh. Allez, allez me chercher leur général. Un autre général arrive, c'est bien. Oh, oh ce carnage qu'ils prennent là. Parfait. Et de deux. Ah bah ça. Alors maintenant on va changer de cible, on va tirer sur leur piqué. Allez hop, carnage. Allez, on change de cible. Oh, oh, oh. Ça tourne mal là pour les Macédoniens. C'est une bouche. Déjà pour la première armée. Allez hop. Attention les lanciers légers, là on va leur faire volte-face dans le dos. On va ordonner à nos mecs d'arrêter de tirer parce qu'on va perdre des généraux sinon. On va reculer. Non, on se recule. On va reculer parce que là, notre armée, on va se disperser un petit peu trop. On a perdu une quarantaine d'hommes, ils ont déjà perdu 1300. Hein. Sur la brochette là. Le général, on va vite le sortir de ce guépier. Il nous reste encore l'armée là qui arrive. Là, c'est un peu le jeu du doux pour pousser contre les Macédoniens. Hein. Aucun n'en échappera, ça c'est une certitude. Mais leur général il va vite tomber. Unité,
Ils veulent pas lâcher, hein. On va voir qu'il nous faut nos faucheurs là. Il reste quoi là, 1600 hommes, donc à peu près la moitié. Allez, allez me chercher dans les piquets conscrits avant qu'ils se reforment là. Voilà. Alors ça donne quoi ça? J'ai l'impression que ça ne donne pas grand chose ici. Là avec le... Le tir nourri, ça va faire très mal dans le dos. Hein. L'armée ennemie s'enfuit. Pourchassez-les. Alors il reste quoi là? Oh, il y a des balistes là-bas. On va essayer de vite détruire leur cavalerie, comme ça au moins. On sera sûr qu'elle se reformera pas. Là, il y a une cavalerie qui va se faire anéantir. On va les wipe, hein. Là, ils vont perdre toute leur mobilité. Voilà, vache, ils se font anéantir. Hein. It's showtime là. Il y a ces foutues balises qu'il faut aller chercher, faut pas les oublier. Alors là, on va se recentrer. Ils ont des tireurs ou pas? Ils ont du peltast. Voilà, on va se reculer sagement. Non, on va aller chercher leur baliste là pour en terminer avec elle. On a perdu même pas une cinquantaine d'hommes, ça va. Essayez de garder mes munitions justement, on va essayer de concentrer sur leur dernier général. Les balises, elles sont accrochées. Putain, ça fait mal les archers d'élite. Hein. Allez, on y va. On les anéantit jusqu'au dernier des artilleurs. Oups, on a deux faucheurs qui se barrent. Bon, c'est pas grave. Ils reviendront après. Allez. Allez, le dernier général, c'est fait. Le chef de guerre ennemi est mort, tué par vos braves guerriers. Oh là là, l'armée, elle est complètement wipe là. Et je tire à l'enflammé aussi, c'est pour le moral, hein. Tirez-moi dans le tas de cette phalange de pitié long. Unité d'élite, ça en plus. Unité. Tireur, à l'attaque, cavalerie.
ça meurt bien, ça ventile. Oh, le carnage qu'on fait là. On va essayer d'être le plus de phalanges possible. Hein. On continue, on tente de faire plus de morts. On va faire plus de dégâts possible. Chose, hein. Il reste environ 110, il reste 400 hommes sur 3000. Hein. Je pense que là on a la porte ouverte sur Athènes, voire même Corinthe. Ce qui est plutôt cool. Et je me demande, alors... On va enchaîner. Hein. À nous la victoire. Parfait. Alors on a quoi comme temple ici ? Artemis, bon, on va le détruire celui-là. Ce sera exceptionnel. On va réparer ça. Je vais faire un temple en hommage à Bendis cette fois à Athènes. Donc là, il ne reste plus qu'à faire tomber Corinthe et Apollonie. Voilà, on va déjà reformer ça, Trier. On va améliorer tout ça aussi. Bon, notre armée, elle est prête, là. Quand on se prend là, c'est au sein à... à Larissa. Ah, il y a une des armées de Macédoine qui se dirige vers moi, c'est bien, c'est ce que je veux. On va emmener deux généraux. J'ai emmené un des deux zones agro aussi. Voilà. Ah. On a gagné. Ah, regardez. On récupère la statue de Zeus à Olympie. La statue de Zeus confère un bonus de 4 en moitié pour dans toutes les communautés. La grande statue d'Olympie abrite une magnifique statue en or. Et on y voit représentant le Zeus, le père des dieux. Le temple a été construit par Libon 450 avant Jésus-Christ. C'est un bâtiment impressionnant qui n'a pas été jugé suffisamment imposant pour le site. On confia donc au sculpteur athénien Phidias la tâche sacrée d'ériger une majestueuse statue en hommage à Zeus. Son talent était tel qu'il semblait que Zeus assis aurait détruit le temple s'il avait pu se relever. Cette statue de 13 mètres de haut inspirait donc l'admiration et le respect recherché. La maçonnerie était détruite. Je pense que le chef qu'on a éliminé, c'était le dernier général. Vous avez remporté une glorieuse victoire au nom de votre peuple.
Le monde se soumet à la légitime domination des Daces. Nul nomade pluvieux, nul romain parfumé n'ose prendre parti contre vous. Et encore moins les armes. Continuez à jouer. Oui. Alors, c'était pas prévu, mais bon, là, je suis content. Ah, ils ont pas dû aimer, hein. Bon, là, le problème, c'est qu'on a la peste en Grèce, mais bon, ça, c'est pas grave. Non, non, c'était quand même une belle campagne. Bon, la deuxième armée, elle aura fait de la figuration. J'ai combien de territoires, d'ailleurs? 19. 21. Donc, je... Peut-être que la campagne, je vais continuer de me compter pour la victoire longue. Ça, c'est sûr, parce qu'il faudra que je les fasse aussi, mais je les ferai en off. J'aime pas trop les victoires, donc ça sera les Total War maintenant. Je préfère les victoires courtes. Les gens sont de moins en moins patients, donc c'est une raison de plus. Tanner, regarde les clans qui sont pas chez toi. Exactement, Mitrandir. Mais c'est pas grave, ça fait un peu de trucs dans la population. Là. Comme ça, au moins. Bon, j'ai juste sauvegardé. Donc, j'espère que cette campagne avec la Dacie vous a plu. Donc, on se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures et des nouvelles aventures aussi. On vous fait des bisous. Ciao, ciao.